Au cœur du développement économique et social, à vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID. Fidèles auditrices et auditeurs, merci de votre fidélité et bienvenue à l'écoute de votre magazine hebdomadaire Sissi Aminata. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet qui est sur toutes les lèvres, celui de la réconciliation nationale. Une véritable préoccupation pour nous les femmes, au vu des différents conflits intercommunautaires qu'enregistre la Guinée depuis un certain temps. Toute chose qui menace la paix et la stabilité sociopolitique et économique du pays. Il est question donc pour nous dans cette émission de nous interroger sur ce que pourraient faire les autorités pour enfin amorcer ce processus de réconciliation nationale tant attendu par tous, ainsi que le rôle que pourraient jouer les femmes pour la réussite de cette noble mission. Une fois encore, soyez les bienvenus dans ce magazine Sissi Aminata. Après les événements douloureux survenus entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2010, beaucoup s'attendaient à des actions de grande envergure de la part des autorités pour poser les jalons d'une véritable réconciliation nationale entre les fils et filles de la Guinée. Mais force est de constater que les choses n'avancent pas dans ce sens. C'est pourquoi les femmes espèrent que cette problématique de réconciliation nationale sera désormais l'une des priorités du second mandat du chef de l'État. Je vous invite à écouter leur cri de cœur dans ce micro-trottoir et on se retrouve juste après. Wodi association be buy yalti wadugo réconciliation nationale parce que hande pour le maninka soso e berse fawne jeydi min nenan to soko ko maninka en jombi baban ko pullo nenan ko kisi donc mi waata wiide min e goddo men habay donc c'est pour cela mi do noddi lagine fo yo jab gal portal ka leydi men tay jabu gere enen fo ko nena goto baba goto pour le réconciliation. Nous sommes Guinéens, on est les femmes, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller. On connaît que Guinée, on ne connaît nulle part. Et s'il y a un problème qui est là, moi qui est là actuellement, ma maman est Peul, mon père est Malinké, je suis mariée avec Forestier, je suis purement Guinéen. Et s'il y a un problème, où je vais aller? Donc on demande le président la paix, rien que la paix. Moi, rarely, ça, nous voyons ça dans l'homme. Moutan. La sensibilisation est très importante. Je suis très importante. Ala no annabe na xey birin chetane ri e re manyahu ina xono kiyo ki ri manyahu e berdema parce que moñe na guru ina toy bar de ga na xam birin na bay ni misamane ala no annabe khafira e khadiye wo nga wo mala ginera fala wo made fa nga ba toro fesono reconciliation yoro anya feli gisusuma ay do la gine kono gisusuma gere gere do fana ay tre anyi to yo mantre nya mi folo nde miti na fulalidi mfa manika leudi ndike forese leudi nde famina te guinée 100% ndi nte sa fola fulalendi nte sa fola manika lendi na fora manika nti se wala manika bara na fora fula nte se wala fula bara na fora forese nte se wala yi parce que nya te mali donc guinée 100% ndi donc nde di semi fola ule gisusuma di be yi bulu du nyombulu anyi ke na kele fa kele anyi gisusuma di ma réconciliation ka musur ba kelba abo fo yan sengbe ende lo atomi deni ni ambulu kwa dia tanna amma yoro silo an kala gine lulo a gine la ambaradi iba fo gben wa dia tanna an deni walami muso ni de yi fara yi buriki idento yi buriki iketo e walami wa dia tanna anyal ma dia la le yala ya nabiye
aliato anyansi anyi ben kankele ndo alo antre nyami folo na kele fa kele anyambulu do nyombulu anyebe. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. On ne peut pas parler d'un véritable décollage économique dans un pays sans la paix et la stabilité. Une paix qui passe nécessairement par la cohésion sociale, l'unité et l'entente entre les différentes composantes de la nation. Ce qui est loin d'être actuellement le cas en Guinée, à cause notamment des préjugés ethniques. Pour Mme Mané Bintou Grovogui de la CONAFEG, la Confédération nationale des femmes entrepreneurs de Guinée, il est temps que les Guinéens s'acceptent en dépit de leurs appartenances ethniques, politiques ou religieuses. Les priorités du président, d'abord, c'est la réconciliation de tous les Guinéens entre eux. Il a commencé d'ailleurs depuis ces deux jours, on a vu qu'il est en train de recevoir les candidats malheureux de l'élection passée. C'est une chose que moi je salue beaucoup parce que quels que soient tous les projets qu'il a, s'il n'y a pas une paix dans le pays pour pouvoir les réaliser. Et donc la première des choses à faire, c'est la réconciliation avec tout le monde, tous les fils du pays. Ensuite, comme il a si bien commencé, le développement vrai du pays en impliquant tous les acteurs, je veux dire bien tout, les femmes, les jeunes, toutes les compétences du pays, que ce soit des ressortissants, que ce soit des Guinéens, que ce soit de la diaspora, toutes les catégories de personnes qui peuvent apporter quelque chose vraiment de positif au développement du pays doivent être mises en compte. Justement, en parlant de cette réconciliation nationale, nous savons que notre pays est confronté à ce problème. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux Guinéens, à vos sœurs femmes, par rapport à cette question? Bon, le rôle fondamental doit être joué par les femmes, parce que nous sommes à tous les coins, nous sommes à tous les niveaux, nous sommes dans deux. Vous pouvez voir, toutes les cérémonies sociales, par exemple, sont organisées par les femmes et gérées par les femmes. Les foyers, c'est nous qui sommes là partout. Donc c'est nous qui devons jouer un rôle déterminant en ce qui concerne la réconciliation et le bannissement de cette ethnisation qui a vraiment été exacerbée ces derniers temps. Ce n'est pas une très bonne chose. Partout où les guerres ethniques ont eu lieu, ça a été des regrets et en fin de compte, on se réconcilie, mais après avoir gâté beaucoup de choses. Avant que la Guinée n'en arrive là, je pense que les Guinéens et les Guinéens doivent continuer à redevenir eux-mêmes tels que nous étions avant à l'école. Il n'y a pas de soussous, il n'y a pas de malinqué. Que chacun accepte de mettre la balle à terre, que chacun regarde la Guinée et que chacun accepte de penser ses plaies tout en acceptant son concitoyen, son frère. Nous sommes tous des frères. Tu ne peux pas prendre un Guinéen aujourd'hui, c'est-à-dire du bas de son arbre généalogique jusqu'en haut, sans que tu ne rencontres 3, 4, 5 ethnies différentes. Quand on est Peul, on a forcément des cousins soussous, on a forcément une épouse Peul, ainsi de suite. Donc nous sommes liés, on est forcément amenés à vivre ensemble. Alors créons des bonnes conditions de bon voisinage pour mieux vivre que de se créer des problèmes. Et parce que la vie est tellement courte qu'il faut en profiter. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Même son de cloche du côté du REFMAP, le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix, une organisation qui œuvre pour le maintien de la paix dans la sous-région. Pour sa coordinatrice, Madame Gomu Morgana, si nous voulons aboutir à une véritable réconciliation nationale en Guinée, il faudrait que la lumière soit faite sur certains événements qu'a connu le pays et que les responsabilités soient situées. Vous êtes à la tête d'une structure qui prône la paix. Qu'est-ce que l'État peut faire aujourd'hui pour la réconciliation? Parce que nous savons quand même que notre pays est confronté à cette question de réconciliation nationale. L'État, je pense que le gouvernement déjà depuis quelques années déjà en a fait, c'est vrai, une priorité parce qu'elle a mis en place une commission nationale. Et de cette commission nationale, vous avez les comités qui ont été mis en place pour commencer une sorte de consultation nationale en prélude à la justice transitionnelle. Je pense qu'il faut continuer cela parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses dans ce pays. Et c'est vrai aussi qu'il faut en parler. Parce que tant qu'on n'en parle pas, tant qu'on ne situe pas les responsabilités et tant que les victimes ne pardonnent pas, c'est difficile qu'on puisse repartir sur de nouvelles bases. Et tant qu'on ne va pas sur de nouvelles bases, on ne peut pas dire qu'on a une paix garantie. On va être toujours dans une période, comme on dit souvent, la phase latente d'un conflit, qui est une des phases du conflit. Et cette phase-là, on ne sait pas à quel moment il peut y avoir escalade. Je pense que c'est une bonne chose déjà que cela ait déjà été mis en place, mais ce serait une très bonne chose que cela continue et que finalement on arrive vraiment au
aux différentes consultations nationales au niveau des régions, dans les communautés, pour savoir qu'est-ce que la population guinéenne veut et comment elle voudrait que finalement tout le monde se mette ensemble pour repartir sur de nouvelles bases pour la paix et la quiétude dans notre pays. Ok, un dernier mot pour les femmes. Je dirais aux femmes, comme on aime bien le dire, le pouvoir, il ne se donne pas, il s'arrache. Et pour qu'il s'arrache, il faut que nous soyons, nous, en tant que femmes, que nous soyons en mesure de mettre de côté tout ce que nous appelons pesanteur sociale, tout ce que nous appelons obstacle. Parce que si nous avons décidé, nous, en tant que femmes, de nous battre, il faut que nous ayons beaucoup plus de force que les hommes. Sinon, lorsque nous sortons, ces petites querelles d'abord entre femmes, mais le fait que les uns ne veulent pas que nous soyons à certains niveaux, nous pouvons être découragés. Et nous ne devons pas nous décourager parce que l'avenir, c'est d'abord nous, les femmes et nos enfants. Aimables auditrices et auditeurs, le conflit est inhérent à la vie en société. Le plus important est de savoir le gérer, tout en privilégiant les rapports humains et de bon voisinage qui ont caractérisé jadis nos communautés africaines. Ne dit-on pas que la Guinée est une famille? Alors faisons en sorte que cela se matérialise dans notre façon de penser, de nous comporter et d'agir vis-à-vis des uns des autres. Et c'est à nous femmes de veiller à ce que ces liens qui nous unissent ne s'effritent pas. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! N'oublions jamais. La Guinée n'est pas divisée en quatre régions naturelles. La Guinée comprend quatre régions naturelles. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Chef Common Ground Guinée. Ici Aminata, avec les femmes pour les femmes. Ici Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID